servi dans les forces spéciales britanniques, j'ai fait l'ascension de l'Everest et traversé les océans glacés de l'Arctique. Aujourd'hui, je suis en Islande, un pays de gigantesques glaciers et de volcans. Ça souffle vraiment fort! Ici, tous les ans, un millier de touristes doivent être secourus. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour survivre ici. Je m'appelle Carter, je suis un chercheur. Maintenant, je téléphonerai mon ami, Monsieur Connavant, parce que j'ai besoin de l'aide pour travailler en Égypte. Bonjour, Monsieur Connavant. Oui, bonjour, Carter. Est-ce que je peux aider? Oui, j'ai besoin de l'aide en Égypte. En Égypte? Pourquoi? Je suis certain qu'il existe dans la Vallée du Roi un tombeau. Il faut que nous faisons du feu. D'accord, je viendrai maintenant. Je vais apporter mes ovaires avec moi. Merci! Carnavant, Carnavant, nous avons découvert le tombeau. Bon travail, mes savants doivent entrer le tombeau pour investiguer. Nous avons découvert une plaquette et il traduit l'inscription et elle a dit « La mort tuera ce qui dérange le repos du pharaon. » Fantastique! Tu ne dis pas l'inscription ouvrir. Je sais aussi l'ouvrir sans superstition. Maintenant, je suis dans la chambre du roi Tutankhamen. Mais en première, j'ai une vidéo te montrer. Bonjour! Je suis très malade. J'ai fait cette vidéo pour dire à Carter, bonne chance à continuer l'expédition. Merci pour l'aventure. Oh, c'est touché. Il est mort. Au revoir, bon ami. Avant, on enlève les derniers bandelettes du pharaon. Le pharaon est dans bandelette parce que les anciens Égyptiens ont pensé que le roi devait faire un grand voyage vers le royaume des morts. Quand les savants enlèvent les derniers bandelettes, ils envoient le pouls du pharaon. Elle est grise et sachée. Le roi semble petit. Par une méthode scientifique, on a découvert qu'il est mort à 18 ans. Et ses yeux sont ouverts. Son nez est un peu aplati et ses dents sont assez longues. J'aimerais. Hola, j'aimerais.